Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 13 mai 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère, et j'espère que vous avez passé un joli week-end. On continue toujours avec l'oracle de l'énergie. On terminera avec le message de ton âme et pour commencer, eh bien, la petite philosophie du matin. Alors, pour ce matin, être heureux maintenant. Qui peut dire ce que l'avenir nous réserve? Personne. Qui peut faire que nous soyons heureux maintenant? Nous. Tellement vrai, n'est-ce pas? Alors, pour aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé femme réfléchie à l'envers. Cette carte, eh bien, elle pourrait représenter pour certains d'entre vous une période difficile pour votre développement personnel. Certains d'entre vous, peut-être, vous vous sentez perplexe par rapport à votre raison d'être ou vous êtes déconnecté de la voix de votre petit cœur. Regardez en vous. Oui, regardez en vous et ouvrez-vous à votre guidance intérieure. Et surtout, fiez-vous à votre intuition concernant ce que vous devez apprendre pour pouvoir avancer. Cette carte, elle pourrait aussi indiquer qu'il y a une personne, une femme, qui fait partie de votre entourage et qui vous induit en erreur ou qui vous donne de fausses informations. Alors cette carte, elle vient tirer la sonnette d'alarme. Soyez-en conscient et établissez eh bien, des limites avec cette personne. Et n'oubliez pas que votre âme est toujours votre meilleur guide. Donc, soyez vigilant, cette personne qui fait partie de votre cercle. Eh bien, elle n'est pas bonne conseillère, n'est-ce pas? Donc, voilà. Un averti en vaut deux. L'affirmation pour cette journée, eh bien, j'ouvre mon esprit et mon petit cœur à ma propre sagesse intérieure. Je suis attentionnée, concentrée et claire. Voilà le premier message de cette semaine. On termine avec le message de ton âme. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà le message de ton âme. Femme réfléchie, faites quand même attention à votre entourage, n'est-ce pas? Et fiez-vous à votre petite voix intérieure, à votre guidance intérieure, parce que elle est toujours vraie. Vous êtes vraiment une belle personne avec beaucoup de compréhension.